Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Smite, un ranked duel. Et bon, vous savez déjà qui j'ai pris. Moi, je ne sais absolument pas encore. On va peut-être ban Cernumos. Donc, 3 bans à faire. Je ne sais pas du tout sur qui me lancer. Je sais pas. Il ban Bakasura, est-ce qu'on ban Kali? Qui est chiant quand même. Kali c'est saoulant, en plus je suis pas très bon avec donc je vais pas la jouer, c'est sûr. Elle est où Kali? Thanatos, il faut que j'apprenne. Bakasura, Naja, elle est là. Et puis qui on peut ban, je sais pas trop. Qui peut être chiant. Un oui c'est fort. On pourrait essayer de jouer Kairon qui est sympathique maintenant. Bah, il a ban oui. Intéressant. Prendre Medu, je sais pas qui je vais prendre en fait. Non. Je vous proposerais bien un Amaterasu. On va ban Kairon qui s'est quand même fait up. Alors est-ce qu'on prend un Amaterasu qui est quand même sympathique, hein. C'est pas la plus forte. Je vous avais déjà fait une Bellona, je crois, donc là ça changera avec Ama. Est-ce qu'on prend Ama? Allez, on prend Ama. On va voir ce que ça va donner. Et on affronte Anubis. Qui c'est qui a le match-up là? Honnêtement, qui a le match-up entre... C'est difficile à dire. Bon, il a le dépush. Clairement, il a le... Il va nous push. Il a un joli skin en plus d'Anubis. Mais bon, nous, le skin diamant de la petite Ama est sympa aussi. Bon, on va voir. On va voir. Je pense que on va partir déjà très très vite sur... ça, les Botrans 1. Non, sur... vite, attack speed, on va partir là-dessus. Et puis une potion de vie, allez. Et on va partir sur... Bon, on continue à utiliser le brasseur qui, je pense, c'est fort le brasseur. Donc voilà. Est-ce qu'on fait les deux petits du bleu plutôt? Parce que de toute façon... De toute façon, il va nous push, je pense. Donc je suis tenté ouais, de partir sur les deux petits du bleu. Et puis on espère que ça va bien se passer les gars. Allez, on y va. Donc je prends pas encore le heal. Allez, venez par là. Les deux petits juste. Voilà. Allez vite, vite, vite. Je pense qu'il a dû faire une partie du raid. Voilà. En fait, on sait très bien qu'on se fait push. Donc, ça sert à rien de prendre des dégâts gratuits, en fait. Et de perdre de l'XP. Je pense pas qu'il va faire le raid entièrement. Peut-être que si. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et grâce à ça, on n'a pas trop perdu. Alors, vous allez voir qu'il a quand même beaucoup plus de push que nous, donc... Alors ça c'est cadeau, il s'est mis devant nous, donc ouais, mais il est parti quoi. Allez, round 2 pour la serre de Bancroft, sans surprise, j'ai envie de dire. Avec notre dash, on peut le... Oh là 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 là! Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai utilisé mon dash pour le silence, donc ça lui annule bien ça. Après faut quand même se méfier. On a l'ulti, mais j'ai pas le mana à la mana. On le tente. Et on l'a eu. On l'a eu, first blood. Me tapez pas, me tapez pas. Oh là là là. On va back, on essaie même pas de les faire. On a eu le first blood, mais faut vite se barrer. Hop, on part donc sur ça. Les Botrans 1. On va se reprendre deux petites potions de vie et on retourne. Bon, ça s'est bien passé le first blood, c'était tendu, mais j'ai senti quand on est passé level 5 qu'il y avait moyen de faire ça. On s'en est bien sorti. Alors est-ce qu'il en a pas profité? Il en profite pour faire le raid, logique. Bon, c'est pas grave, on va aller se faire le bleu nous, tranquillement.
petite pression là. Il prend le dégât des sbires quand même un peu. Va falloir prendre de l'anti, la pestilence après les bots, c'est la pestilence qu'on va prendre. Clairement. J'ai essayé de jouer très très anti, et on sait que ça se heal énormément cette bestiole. Voilà. Allez, on remet l'ulti. Lui il a pas envie d'utiliser son ulti. C'est ce qui lui coûte cher pour l'instant. On n'a pas les. On n'a pas les gold pour avoir nos bottes complètes. Donc voilà. On prend légèrement, très 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 légèrement l'ascendant, mais. On va voir, on a plus de mana. Donc on va back. J'aimerais bien vers cette lane avant parce que bon, je pense qu'on va récupérer un peu de mana grâce au buff. Ça coûte 85, voilà. Allez, on fait ça. Alors qu'est-ce qu'on up? Je up le 1 après. Il arrive. Allez, hop, on back et on va chercher nos petites tabines ninja hein, pour jouer auto-attaque, évidemment. L'embêter de ce côté-là. Et on retourne. Pour l'instant, 2-0 pour la petite Amaterasu. Alors c'est loin d'être ce qui se fait de plus fort. Hein, il freeze la lane, mec. C'est loin d'être ce qui se fait de plus fort. Hein, attention, évidemment. Mais bon, pourquoi pas. Il va back. Bon, il fait croire qu'il back. Bon, aussi je peux freeze les lanes, tu sais, mon petit. On a raté. Allez, il a utilisé son bracelet et on prend le kill. Alors est-ce qu'on a plus ulti? Ouais, je suis tenté de up l'ulti parce qu'il peut pas en fait. Je mets pas, d'habitude je mets pas de points dans l'ulti avant mais en solo lane quoi. Mais là c'est différent, c'est pas le même principe. Est-ce qu'il y a le raid? Non, il est pas encore revenu. On back, ça a rien de rester. Et donc on part sur la pestilence ou sur de l'offensif? On va partir sur pestilence quand même. Parce qu'avec juste la pestilence, vous allez voir que ça va lui poser énormément de problèmes, énormément de douleurs. Contrer son heal, nous on aura des PV de la résistance magique. Il refait son... Nous on n'a pas l'ulti avant 10 secondes, moi j'aime bien l'agresser quand il y a l'ulti. C'est parfait, mais là... Il a back. D'accord. On va voir s'il y a son buff bleu, je pense pas. Je pense qu'il a dû le faire. Mais... On a 2 levels d'avance sur lui, donc pour l'instant ça va. On va essayer de ne pas rater l'élastite. Ou on vit. Il a peur, il est pas confiant. Il a pas envie d'affronter une petite Ama. Alors en late game, attention. Hein. Attention, c'est en late game, il peut nous faire très très mal. Mais si on contre son heal, je pense que ça peut être sympa. Là en fait on se préoccupe même pas là des... On ne se préoccupe pas assez des sbires clairement. Mais parce que bon nous on a notre pestilence qui est arrivée, donc on va pouvoir l'empêcher de se heal. Mais le problème c'est que ben là ça va être galère pour... J'ai l'impression qu'il attend le late maintenant. Il est pas trop tenté de fight. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, falloir... le pousser au... Il a pas ulti une seule fois. Ça aussi c'est bizarre quand même. Mais bon. Il a pas ulti, il a pas essayé de ré... Alors que notre... Il devrait normalement ulti au moment du troisième tick de notre ulti. Ce qui le permettrait qu'il... Alors, attack speed, on va aller chercher... Vite. Je vais y arriver. Attack speed. Un exécuteur.
pour avoir de la peine, hein, ça qui peut faire la diff. Hein. Ça nous donne 10 de physical peine, mais. Et à la fin de l'exécuteur, s'il veut toujours pas fight, je pense que j'irai au bull démon là. Pour essayer de le faire parce que bah si. Mais on va voir, peut-être qu'il va accepter de fight un peu maintenant. C'est dangereux ce que je fais. Hop, on récupère les PV avec Sam aussi. Et c'est un fight. Nous je le joue pas au lifesteal. Hein. On a un autre sort pour. Difficile d'aller le ganker sous sa tour, voyons. On l'a vu quand même que. Pas simple. Il va falloir trouver des solutions. Parce que ouais, je sais pas trop comment faire. Donc là on va aller chercher le raid. Ça va être parfait, normalement on devrait pouvoir le récupérer. Voilà. On va aller le récupérer, on va faire cette lane, puis le récupérer. Allez, vite. Hein. Non, trop tard. Oh, on les ignore un peu ces dégâts avec la pestilence. Alors, je sais pas s'il est parti sur de la peine. Bon, ça il a pas de peine, donc ben, on va prendre ça. L'exécuteur on l'a toujours pas, donc j'ai dit après passer l'exécuteur on ira chercher ce Bull Demon King, ou en tout cas essayer de le pousser à venir le défendre et à fight ben, pas sous tour et fight ben, sur terrain plat comme on dit. Parce que pour l'instant, bah, c'est clairement pas sur terrain plat. Si je veux le taper à chaque fois, il faut aller... On a vu qu'il avait le bleu, donc ça sert à rien pour l'instant. Et là, on sait pas trop quoi faire. Et ça coûte 1000 gold, donc j'ai pas assez pour faire l'exécuteur, malheureusement. Mais on va faire ce lane rapidement, et puis on va back. Voilà. Allez, zou ! On va acheter... Ward et l'exécuteur. Voilà. Hop, deux ward. Et on retourne. Je pense qu'on va faire ce lane. Et puis poser nos deux ward pour voir s'ils viennent le défendre. Et puis on. C'est parti. Hein. C'est parti. Lui part pour l'instant pas sur de la résistance. Il commence à stacker sa ceinture du sorcier. Alors quand il l'aura stacké complet, ça sera compliqué pour nous. Mais bah, c'est le moment d'essayer d'en profiter donc. Évidemment. Alors on va voir s'il va venir. Allez. Est-ce qu'il vient? Il vient. Il vient. Allez, viens. À moi d'ulti. Allez, et voilà, on a fini par le kill. Est-ce qu'on peut se le faire, le Bull Demon King, là? 19 secondes. Faut se heal, j'ai pas de lifesteal, je me rappelle. Attention, est-ce que ça va être le fail de Amaterasu? Non, ça va, ça passe. Voilà, il est venu, il était obligé de venir. Il avait pas envie non plus de nous le laisser, c'est logique. Nous, on va partir sur ça. Qui est le fatalisme un peu pour les voilà pour les au corps à corps, vu que le fatalisme pour les tués à distance n'existe plus, et nous on se le fait pour les corps à corps. Alors est-ce qu'il va venir défendre? On va aller faire le raid, on va voir s'il va venir le défendre. Oh, on va voir, ça va être intéressant de voir. Il a mis ça, voilà, on a le raid. On est chaud, hein. On est chaud, on a envie de le fight là. Je suis pas sûr que lui ait envie plus que ça. Après on n'a pas encore le Fatalis, donc compliqué. Allez. On tape, hein. On tape de toute façon. Faut prendre des objectifs, on a plus de gold que lui. Voilà. On se
fait heal. Alors lui aussi, il a le brasseur, il a la purif, d'accord. Donc il en a un peu marre de nous, pour le coup. 1700, donc on n'a pas encore cet objet qui demande 1100 gold. Et là, ça fera qu'on pourra le suivre, avec un plus 10% de move speed. Et un dernier item, je sais pas encore. Il prend toujours pas de peiné, hein. Il prend toujours pas de peiné. C'est pas bien joué, tout simplement, de sa part, hein. On va pas se le cacher, c'est cadeau pour nous. Tant mieux. Bon, par contre, on peut pas vraiment aller... ça dépêche très très bien, donc là, on peut pas faire grand chose. On va aller faire notre buff bleu. Pas encore, parce que j'aimerais bien la voir. Donc, voilà. On va faire cette lane, puis il restera... On va faire cette lane. Voilà. Aller faire le bleu. Puis, le ramasser. Allez. Pour l'instant il reste plutôt caché sa possibilité. Bon, il peut encore gagner, mais il faut vraiment qu'il aille chercher le late game. Ça puis ça. Est-ce qu'on a assez d'attaque speed? Oui, on est à 1,94. On est à 2,19 maintenant. Je pense qu'on va partir sur 100, le dernier item. Ce qui peut être plutôt cool. Pour l'instant on l'a pas, donc j'achète pas. Et là on va pouvoir le suivre, le port. On a beaucoup de mobilité. Et alors si on a en plus les pré-brise roche, on va... Ça va être un enfer pour lui, c'est l'objectif. Là, regardez, on le colle. Et voilà, c'est terrible, hein. C'est terrible, mais là on a pris l'ascendant. Et je sais pas ce qu'il va pouvoir faire, 27 secondes, je pense pas qu'on va pouvoir... Je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit, profiter de ça. Donc l'objectif, ça va être 9 secondes. On va peut-être pouvoir le taper un peu, mais... Hop. Après, on le tombe vite, mais ça sera pas suffisant. On nous attaque, nous. On l'a mis mid-life, son phoenix, quand même. Donc c'est intéressant, on va aller chercher le red pain encore. Et je veux pas qu'il le fasse, donc on va pas back. De toute façon, il nous faut 2600, et ça, à la revente, c'est pas grand-chose. C'est 500, donc il nous faut 2000 gold. Donc on les a pas encore, mais on les aura bientôt. Attention à ce qu'il ne fasse pas le Bull Demon King. Nous, on veut le faire pour tomber très vite sur le phoenix. Pour l'instant, on le met sous pression, c'est très bien. On va mettre une petite ward là. Hop. Voilà. Pour le voir arriver, on va faire la prochaine lane, puis le raid, puis back. On aura l'épée brise roche et on ira faire le Bull Demon King. C'est le principe des ranked un peu duel, c'est faut très calculer, faut être voilà, méthodique. C'est comme ça que vous gagnerez vos games. Pas que je les gagne toutes, mais j'en gagne quand même pas mal, parce que là je prends des picks quand même plutôt honnêtes, même si je prends pas les top picks. C'est des pics qui tiennent bien, je trouve, sur un... Ils tiennent bien, c'est tout à fait honnête. Ah, il va le faire, et là, attention, il peut le faire très rapidement. Vite. Non, il est allé juste check, et là, c'est le moment où, comme il a check, il a vu qu'on n'y était pas. Est-ce qu'on le tenterait pas très très vite? Peut-être. Ça pourrait être intéressant. Allez, on va voir. Attention, toujours pareil, on n'a pas de vol de vie. Il va revenir le check. Il hésite, il y va. Il y va, il hésite à nous fight. Attention, on l'a presque tué, le Bull Demon King. Il va essayer de le voler à l'ulti. Oui. Allez. Ah. Allez, on y va. Boum, boum. Il va utiliser la purif, c'est logique. Mais c'est pas suffisant, et c'est le sur un GG. Ouh, c'est dur, voilà, 6-0, on a bien géré, et voilà, on le collait au basque. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, et à très vite pour d'autres vidéos, bye bye.